Et bien salut tout le monde, c'est Mister B-Boy 45, comment allez-vous les amis? Moi ça va très très bien et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et une toute nouvelle série. C'est une petite surprise, je l'espère en tout cas pour vous. Nous sommes sur le Let's Play de South Park, l'anal du destin, le nouveau South Park qui sort demain et j'espère que ça vous fait plaisir bien évidemment. Comme je vous disais, Let's Play pas vraiment prévu, mais j'avais envie de vous fournir une aventure pour cette fin d'année et une aventure si possible fun. On a le côté survival horror avec Evil Within 2 et je me suis dit, allez, il faut un jeu où on puisse se détendre, un jeu où on peut facilement discuter et un jeu pour occuper vos nuits en attendant ce doux mois de décembre évidemment et le jour de Noël et de Nouvel An, là où toutes les fêtes s'enchaînent, là où tout est possible et tout est bien évidemment permis. Nous sommes donc sur South Park. Et je pense qu'on va taper quelques petites barres. Alors, South Park a fait énormément parler parce que déjà c'est de bons jeux, mais aussi par rapport à quelque chose de nouveau. L'ancien n'était pas doublé en VF, donc version française, mais celui-ci, si. Mais ça a fait parler, on en parlera un petit peu plus tard dans le jeu, vous inquiétez pas pour ça. On a donc débloqué toutes les récompenses Ubisoft Play, on va pouvoir enfin lancer le jeu. N'oubliez pas, pour chaque premier épisode et tous les épisodes si possible, un maximum de j'aime. J'espère que cette aventure vous fait plaisir. J'avais fait un sondage pour savoir si vous auriez préféré la chaîne secondaire ou la chaîne principale, et vous étiez à 85% à vouloir la chaîne principale. Il est possible que certains épisodes soient tournés en live et rediffusés évidemment sur ma chaîne principale. Je rappelle que je live sur Twitch tous les soirs à 19h, mais c'est pas le cas pour le moment. De toute façon, quand nous serons en live, vous serez très vite au courant. Ne vous en faites pas, nous sommes partis pour South Park épisode 1, l'anal du destin. Nouvelle partie, c'est parti les amis. Qu'est-il advenu de cette ville? Avant, on y respectait les lois. La justice, c'est terminé. La criminalité est galopante. Les chats disparaissent et les habitants de South Park se font persécuter. Non mais, t'as un sacré toupet, petit! Qu'est-ce qui te prend? Oh! Oh! On était censé protéger ceux qui ne pouvaient pas se protéger eux-mêmes. Barre-toi de ma voiture, petit morveux! Aujourd'hui, les super-héros sont divisés par leurs différences politiques. Nous sommes deux camps qui s'affrontent. Mais la guerre ne sauvera pas notre ville. Le voyage temporel est mon seul espoir désormais. Les mythes parlent de temps immémoriaux. D'une époque où un nouveau roi parvint à unir un royaume se disputant un puissant bâton. Bonjour, trésor. Ta gueule, maman! Il n'y a pas de temps à perdre. Je dois retourner en arrière, trouver un moyen de changer le présent et sauver ce chat. Et ainsi, je pourrais peut-être changer le passé, notre passé à tous. Allez, on est parti pour la création de notre personnage. Je vais pas vous cacher que le petit ta gueule maman est super bien passé. Ne faites évidemment pas ça chez vous, respectez vos parents. Mais il est tellement bien sorti que j'ai rigolé. Voilà, j'ai rigolé, j'en rigole encore. On est parti donc pour la création de notre personnage. On va créer bien évidemment notre héros. Je vous en avais parlé tout à l'heure, mais pour l'instant, la VF, bah il y a un petit souci avec la VF. Ce n'est pas la VF officielle. Néanmoins, j'ai l'impression que c'est celle de Cartman, que jusqu'ici c'est exactement la même. Je peux peut-être me tromper, n'hésitez pas à dire en commentaire, mais on va pas en parler 30 ans de cette VF. Au moins il y a une VF, j'ai envie de vous dire. South Park, Bâton de la Vérité sur PS3, Xbox 360, je voulais aussi vous en proposer un let's play, mais malheureusement je ne pouvais pas. Parce que justement il n'y avait pas cette VF et les sous-titres étaient minuscules, c'était très désagréable à lire et je me suis dit j'allais vous perdre en chemin. Alors que là on peut faire quelque chose, on peut s'amuser. Un niveau coupe c'est terrible hein. Là ça fait un peu trop bon enfant.
Qu'est-ce qu'on peut mettre? Oh bah oui, mais là c'est terrible là les gars, ce que vous me dites là. J'en ai vu juste une seule et c'était celle-là. Non, c'était pas celle-là, c'était beaucoup plus court. C'était, je crois, celle-ci. Hein. Attendez. Bon allez, de toute façon, on va pas passer 3 heures sur la coupe. Je vais prendre celle-ci. C'est celle qui me paraît être une coupe un peu banale. On va se mettre les cheveux en noir quand même. On va se mettre les cheveux en noir, les gars. Et on verra ce que ça donne. J'espère qu'il sera pas trop dégueulasse à la fin. Maquillage! Maquillage, qu'est-ce qu'on peut faire? Bah, rien du tout, on va rien faire du tout. C'est vite réglé. Pilosité faciale. Ah, c'est pas mal. C'est pas mal, là, les trois petits poils. C'est pas mal. Ok, on va peut-être pas se les mettre. On va rien se mettre en pilosité faciale. Parce que la barbe, ça va pas avec... En fait, c'est ouf que... Dans South Park, quand quelqu'un a de la pilosité, ça va rarement avec le haut. Tu vois ce que je veux dire? Ça va rarement avec les cheveux. Et Oh, non. On va rien mettre non plus en lunettes. On a quoi en vêtements? En vêtements, on peut choisir la couleur de la cape. On va mettre... Ne bougez pas. On va mettre une cape bleue. Bleu foncé, peut-être, non? Bleu clair, je ne sais pas. Ok, et en fringue. Attendez. En cape, déjà, on va mettre bleu. Et en fringue, on va mettre... Alors, il faut savoir que nous sommes sur PC, d'accord? Et je joue avec une manette 362 branchée. Voilà pourquoi vous avez les touches de Xbox en blanc. Ça me paraît pas mal, ça. Ça me paraît pas mal. Et les mains? Les mains, on va mettre quoi? Bon, on va se mettre en noir aussi pour les mains. Ça paraît cool. De toute façon, je pense qu'on aura de nouveaux costumes à l'avenir. Donc, il n'y a pas trop de soucis à se faire là-dessus. Vêtements, par contre, on ne peut pas changer le pantalon. Hein. C'est impossible. C'est littéralement impossible. On a fini la création de notre personnage. Écoutez, il est ce qu'il est. Il est ce qu'il est, notre futur super-héros. Laissez-le tranquille, s'il vous plaît. Merci de le respecter parce qu'il vous respecte, ok? Choisir la difficulté, ok. D'accord. Ah oui, putain, ça avait fait parler de ça. Ils avaient parlé de ça. T'inquiète pas, ça n'affecte pas les combats, juste tous les autres aspects de ta putain de vie. D'accord, donc plus tu es noir, plus le jeu est très difficile. Ok. Ok, ben on va se mettre en normal. Normal, ça me paraît être normal au milieu, non? Parce que c'était là par défaut, mais là, facile, moyen, normal, difficile, très difficile. Ça me paraît être comme ça, donc on va se mettre en normal. On va se mettre en normal, et normalement ça devrait le faire, en tout cas je l'espère. C'est peut-être un trape, hein. Je sais pas, hein. À voir. Les connaissants, on n'est jamais à l'abri. Les morts attaquent! Il en vient de tous les côtés! Ne les laissez pas atteindre notre base! Trop tard, ils ont pris Kobaki. Les amis, ils ont envahi la base. Il faut les arrêter. Mort aux morts. Leur armure est trop solide. Ils portent des casques de vélo. Où est le roi? Eh ben le roi est en train de faire un petit caca. C'est parti, concentre ta puissance. Mathieu fait pivoter L et R pour trouver le point G. Puis utilise RT pour commencer. Ok, maintenir. C'est bon, on est bon les gars, on peut lâcher la sauce. Qu'est-ce que c'est cette connerie? Changement de présentateur du JT. Ok. Couper. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Mais les gars, mais... oh là là, putain, mais ils sont insupportables. Maître de la grosse com. Forcément, j'ai chié mes grands morts, littéralement. Ok, on est parti. Bon, on peut fouiller tout. Hein? Il y a des gens qui s'embrouillent derrière. Ça doit être mes parents, hein. Je suppose donc. Bienvenue à la maison, les amis. On devrait se réjouir qu'il se soit fait des amis aussi vite. Nous sommes venus ici pour nous cacher. Plus d'amis égale plus d'ennuis. Tu deviens parano. Décroche plutôt de ce truc, je commence à ne plus te reconnaître. Lâche-moi un peu. C'est le seul truc qui me détend et me permet d'oublier toutes tes conneries. Tiens, coucou, toi. Ah, tu es là? J'avais pas vu. Tes amis sont en bas. Sors t'amuser. Ok. Alors, pour l'instant, c'est pas très choquant. Hein. On va pas se mentir, c'est pas très choquant. Cette VF... Ok, j'ai trouvé des piles et un cutter. Attends, on va regarder. Il va y avoir forcément quelque chose. Le petit gâteau caché dans la commode. Un classique, les gars, c'est un classique. Attendez, est-ce que si je re-regarde...
Parce qu'ils sont malins, on sait jamais, hein. Ok, non, c'est toujours la même animation, il n'y a pas de souci. Attendez. Ouais, non, c'est toujours la même. Est-ce que si je regarde une troisième fois, on sait jamais, les mecs. On sait jamais. Ah merde, c'est verrouillé. Je peux plus regarder. Ok, on est dans la chambre. On est dans ma chambre, étant donné qu'il y a une console de jeu. D'accord. Le jeu est beau. Enfin, c'est South Park, vous allez me dire. South Park n'a jamais été très beau en soi. Ok. Je suis en train de tout allumer. D'accord. Oh là là! Voici donc toutes les récompenses du Ubisoft Place qu'on a été récupéré. C'était en échange de quelques points, j'en avais beaucoup, donc autant les utiliser. L'âme cachée artefact, des tenues, des masques, j'ai énormément de choses, des couronnes, sondes aliens. J'ai aussi les choses de l'édition, me semble-t-il, collector. Donc c'est cool, on a récupéré pas mal de choses. On ira les découvrir un petit peu plus tard, c'est toujours en mise à jour. D'accord, on est parti les gars, on se casse. Donc c'était ma chambre, je suppose que ça sera notre futur, en tout cas mon futur QG. Ok, me voici dans le salon. Avec la mère qui chiale et qui chiale. Ok, attendez, on va en arrière, on va laisser pleurer un petit peu, ça va lui faire le pied là. Ok, je peux déjà sortir. Je vais déjà sortir, sachant qu'ils attendent le roi. J'ai déjà 3,62 $, hein. Avec ça, je peux m'acheter un petit kebab. Ok, je me sers dans le frigo. Maman, alors que la mère pleure. Pas mon cœur. Elle a juste quelque chose dans l'œil. C'est ça, oui. Tu me la feras pas, McGregan. Tes amis sont devant la porte d'entrée, trésor. Va t'amuser. D'accord, on peut y aller. On peut y aller. Est-ce qu'il y a une touche pour courir? Oh, on peut péter. C'est énorme. C'est le plus beau let's play de ma vie. On peut courir et d'un coup... Tu vois, pendant que ta mère, elle est là, elle pleure. Mais maman, maman, ne pleure pas, tiens. Tiens, là, ça te donne envie de pleurer, là. Allez, on arrête, on est des gamins. Mais le jeu veut ça, les gars. Le jeu a été conçu par des gamins pour des gamins. Allez, on est parti. Majesté, les immondes morts tentent de prendre Koopakeep. Vous devez venir vous battre, Majesté, vous êtes notre seul espoir. Il y a quand même des gamins qui s'entretuent dehors. Putain. Et les parents ne disent rien. Attendez, laissez-moi passer les gars. Je m'occupe de tout. C'est une affaire personnelle. Laissez-moi donc un chemin. Juste arrivé en ville et c'est toi le roi. Le roi des baltringues, ouais. Éclatez-lui la face à ce mort, si. Pour lancer un combat, ouais, cogne un ennemi en appuyant sur X. Allez hop, ça dégage. On est parti pour le combat, les gars. Allez le roi. Ok, donc là je peux me déplacer sur des cases. Ça fait un petit peu Fire Emblem, hein, vous l'aurez compris. Ça c'est mes cases. C'est les cases possibles de déplacement. Donc on va se mettre ici. On va appuyer sur sur quoi? Et appuyer sur A pour lancer. Déplace-toi pour cibler un ennemi. Voilà, ah, ça y est. Donc on va rester sur cette case. Et là je peux toucher les deux ennemis en appuyant sur A pour utiliser mon pouvoir. C'est beau ça. Les pouvoirs dotés de repoussement peuvent causer des dégâts supplémentaires en envoyant les ennemis boulets dans d'autres ennemis, des alliés ou des objets. C'est pas mal. Ça je sera n'ai un très bon. De toi et de tes combos royaux stratégiques. Donc c'est du tour par tour. Hein. Ça sera un très bon let's play pour se détendre, je pense. Hein. On est d'accord là-dessus, les gars. Ok, on fait ça et ça, ça dégage. C'est la fin pour toi. Tu es fini, rends-toi. On ne peut pas l'arrêter. Préparez les gardes de la cour noire. Waouh, vous avez vu ça? Le roi est incroyable! Ses pouvoirs sont sans pareil! Ouais, c'est mon petit côté un petit peu. C'est vrai que je suis spectaculaire quand je me bats. Ah ouais, je peux pas tous vous battre? C'est parti, on va voir. Rendez-vous, vous êtes cerné. Bon, je suis totalement seul. Attaquer un ennemi en première accorde avantage de combat. Quoi? Attaquer un ennemi en première accorde avantage de combat. Ce qui te donne le droit de commencer. D'accord. Oh là là, la description, attention. Pour voir l'ordre complet des tours de combat, consulte la chronologie en bas à droite. Ah, putain, ça fait vraiment Final Fantasy. Différents pouvoirs peuvent affecter différentes zones de la grille de combat. Très bien. Tu peux visualiser la portée d'un pouvoir en consultant le schéma sous son icône. D'accord, ça veut dire que si c'est je me mets ici normalement, c'est à moi de commencer. Et que j'appuie sur Y, normalement, je vais toucher les deux mecs en face. Privilège du roi, c'est lui qui commence. Exactement. Donc c'est parti. Hop. On va repousser ces deux-là. Un petit paix. Écrasez-les, sire. Oh, grand Dieu. T'inquiète, ce sont les méchants. Ah ouais, allez, le roi. J'ai pris ce que je méritais. J'ai pris ce que je méritais, les gars. J'ai pris les un panneau stop. Ne craignez pas la mort. Ok.
ils sont de nouveau avant. Maintenant, il faut attendre un tour pour que mon sort de paix se recharge. Hein. Donc maintenant, comment on peut faire? Comment on peut faire? On peut faire tout simplement... on n'a pas trop de choix, en fait. Hein. On va regarder l'ordre des tours, et c'est lui le prochain à attaquer. Il est où? Attendez que je vois sa gueule. Il est là, mais c'est lui le prochain à attaquer, tout simplement. Allez, c'est parti. C'est terminé pour vous. Voilà, le temps qu'il revienne, peut-être qu'il pourra pas m'attaquer. Les morts triompheront. Yes, il est beaucoup trop loin. J'ai pris deux coups, ça c'est normal, je pouvais rien faire contre eux, les gars. Ah, ça c'est pas mal. Ok, je peux relâcher le PM, mais ça sert à rien, parce que c'est sur une... comment on peut appeler ça? Une verticale. Bah, on va faire ça, tout simplement, le repoussement. C'est bon, ça! Lui, il va me mettre ce que je mérite. Non, 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 il m'a pas. Il est totalement débile. Allez, ça dégage. Allez, il faut qu'on rentre chez Cartman. Ah, on doit aller chez Cartman. Très, très bien. Alors, il faut savoir, moi, que personnellement, South Park, j'aime bien, d'accord? Écartez-vous, vous périssez. Nous devons franchir cette porte. Impossible. Ah bon, et pourquoi? Car la lave vous barre le chemin. Oh, vas-y. Tout ça, c'est de la lave? Ouais, de là jusqu'à là, c'est de la lave. On peut pas la franchir. Merde! Allez, à l'assaut! Impossible! Ils disent que la lave nous barre l'accès à la porte! Ah, c'est pas juste! Que faut-il faire, Majesté? Qu'est-ce que vous faites? Vous mourrez! Lâchez le dragon! Un dragon? On est baisé. C'est le grognement du dragon! Ok! Les ennemis peuvent tenter de t'attaquer. Si un ennemi te tend une embuscade, il entamera automatiquement le premier tour de combat. Il est super vénère. Ça sent pas bon. Ah oui, mais le dragon, il me tire des flèches. Non, ça va, c'est des ventouses. Ok, on est parti, les gars. Dans ces cas-là, moi, ce que je vous propose, c'est peut-être un repoussement, non? Ça me paraît pas mal. Est-ce qu'il peut percuter le dragon derrière? Yes! Et il peut le toucher un petit peu. Ok, je vais prendre ce que je mérite, normalement. Ah, il y a un autre ennemi là-haut. C'est pas vrai! Il est toujours pas mort! Eh non, mon gars. Je suis le roi! Souffle de feu. Ah, ça c'est fort dommage de ce qui va se passer là. Les cellules hachurées indiquent la zone de dégâts d'une attaque imminente. Déplace-toi vers une cellule neutre pour éviter de te faire toucher. On va là. Terminez pas votre tour à un endroit où il risque de te toucher. Une fois que tu as terminé ton tour, maintiens RB. Ok. Hop. C'est chose faite, ça fait que le dragon, il va peut-être attaquer son allié. S'il retourne dans sa case, normalement il va se faire attaquer. Vous confirmez? Et voilà. Non mais ça par contre c'est du vrai feu. Ok, si vous utilisez votre attaque de souffle de feu, notre roi dégaine son marteau de règne divin. Ok, on est parti, les gars. Voiture. Qu'est-ce que c'est que cette connerie? Restez pas sur la route, les moutards. La voie est libre. D'accord, là le combat va pouvoir reprendre. Ok, d'accord. Je vois le délire, ça me plaît. Donc je disais, le roi est inarrêtable. Allez, on est parti. Le super marteau. Puis-je dis en attaque? Oh, merde. Le pourfendeur de dragon. Ouais, c'est vrai qu'on m'appelle le pourfendeur de dragon. Tiens, ce sera d'ailleurs le nom de mon premier épisode. Oh mon dieu, il a vaincu le dragon. J'y crois pas. Ce gosse est surhumain. Ah les gars, écoutez, surhumain, c'est un bien grand mot. Appuyez sur X pour dégommer des objets fissurés. Vous avez vu ça? Le roi est incroyable. Peut-être qu'il y a une issue par le garage. S'il existe une issue par le garage, le roi la trouvera. Oui, seul le roi peut trouver le passage secret par le garage. Si... enfin, s'il y en a un. Ouah, le roi connard est un super guerrier. Vous avez vu comment il a déplacé cette échelle et s'en est servi pour grimper? Oh les bâtards. C'est vraiment le monarque le plus puissant de tous les royaumes. Il m'appelle le roi connard. Oh les bâtards. Incroyable. Ah! Je croyais que le roi allait faire un super saut, mais en fait, il a fait ça. À quoi? T'es mort. Vous êtes sérieux? Mais c'est quoi ce délire? Faut me mettre au courant, on est parti. Parle, Bard! Qu'est-il arrivé au bâton de la vérité? Le mage l'a fait jeter dans l'océan. M'enfonce! Tu vas subir la colère des morts. Lâchez-le, païen! Libérez le Bard ou vous devrez en répondre à sa majesté! Le roi! On raconte qu'il peut pourfendre un dragon d'un seul coup. C'est exact! Et si vous le... Une minute. Où est le mage? Je croyais qu'il était avec vous, les mecs. Non, on a reçu un signal de détresse nous convoquant ici. Le mage a disparu. Je suis le cône et je viens du futur.
Mec, on a dit qu'on jouait plus à ça. Ouais, on est tous divisés, ça sert à rien. Justement! À mon époque, on subit une vague de criminalité et des chats disparaissent. Il ne me restait qu'un seul espoir, réunir l'équipe. Hé, tu peux pas s'en faire deux comme ça, où est le bâton de la vérité? La ferme, Kevin! Il s'agit pas d'un stupide bâton. Un chat est en danger et c'est la clé pour démanteler le syndicat du crime qui s'est installé en ville. Dans l'avenir. Un syndicat du crime? Ça a l'air d'une affaire trop grosse pour le coup des sabords. Tu veux quoi, Clyde? Que ces connards de potes de la liberté retrouvent le chat? Qu'ils embauchent les $100 de récompense et qu'ils rendent leur franchise de super-héros plus populaire? J'emmerde les potes de la liberté. Exactement. Mon ange, j'entends une forte sonnerie en provenance de ta salle de jeu au sous-sol. L'alerte! Allez les mecs, rassemblez vos affaires et rendez-vous au repère du Cool, dans le futur. Cool et sa bande, rassemblement! Désolé les gars, vous pouvez pas jouer avec nous, on joue au super-héros, pas au boloss. C'est donc la fin du bâton de la vérité. Laisser place à l'anal du destin. Ok, donc on peut parler, alors il y a l'armurerie, etc. Eh bien, etc. Il ne reste plus qu'à aller jouer à Star Trek Bridge Crew. Donc, on va essayer de rejoindre Cartman pour rejoindre le jeu. On pourrait aller chez moi et regarder nos mains d'un air dépité. Mes parents se méfient des tissus synthétiques. Du coup, c'est mort pour les meilleures tenues de super-héros. Ils ont quand même tous la même voix, hein, les gars. Hein. Ok, on va essayer de fouiller un petit peu là-haut. Il y a peut-être quelque chose d'intéressant. Non, je pense qu'il faut juste aller chez Cartman, en fait, non? Attendez, bougez pas. Il faut juste aller chez Cartman. Oh, bonjour. Les garçons s'amusent au sous-sol dans leur petite salle de jeu. Hop, on va tout fouiller, les gars. Aucun souci. Eric passe sa vie à jouer aux super-héros. J'ai peur qu'il ne mange pas assez. Non, il mange très très bien. Ah, on peut sauvegarder à n'importe quel moment. Voilà ce que je vous propose, c'est d'aller au sous-sol et on va s'arrêter là, les amis. On aura très bien avancé dans ce premier épisode. Merde. Ah oui, d'accord. Merde, pisse, caca. Oh putain, non mais attends. Oh, tu ne peux pas entrer? J'ai bien peur que mon Eric ait verrouillé la porte pour m'empêcher d'entrer. Je jurerais qu'il a noté le code ici, quelque part. Ah, d'accord, je préfère. Le code est quelque part par ici, bougie. On va fouiller un petit peu tout. On va fouiller un petit peu tout, c'est pas trop le problème. Ah, on peut ressortir! Ah, c'est... Ah, la lave a disparu. C'est un mini open world, d'accord, ça me fait plaisir. J'avais joué au bâton de la vérité, mais très très peu. Très peu. Ok. Pas suffisamment pour savoir les fondements et principes du jeu. Comme je vous dis, le fait que les sous-titres soient illisibles, ça m'a clairement bloqué. Ce qui est bien, c'est que toutes les maisons dans South Park sont faites exactement pareil. Est-ce que par hasard, je peux pas chier mes grands morts entièrement gratuitement? Quoi, pas mal. C'est quoi ce délire? Ok. Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est délire? Oh là là, c'est terrible, hein! Oh là là, c'est terrible! J'ai gagné quoi? J'ai pas gagné grand-chose, je crois. J'ai pas gagné grand-chose. On va fouiller partout chez Cartman. Ok, on est parti. Mais alors, où peut-être? De toute façon, sa chambre... C'est forcément dans sa chambre, hein, le code. C'est forcément dans sa chambre. Il y a beaucoup, beaucoup de clins d'œil et d'easter eggs aux épisodes de la série. Et ça, c'est plutôt cool. Allez, c'est parti. On va chercher le code. Peut-être par ici. Non. Ah, here's the code. Who is the coon? Qui est le coon? Ok, Token's Life. Ok, Beats. J'essaye de voir des indices dedans. Je vois rien. Je vois strictement rien. Ah. C'est vrai qu'on peut taper à n'importe quel moment. Appuie sur A pour lire son journal. Ça y est, il doit y avoir le mot de passe dedans. Ok. Cheat list, Kyle, Mom, Clyde, David. Donc ça c'est la liste de merde. Ok. Ok, c'est très très porno hard. Ne pas ouvrir Coon Only. Très bien. Fuck your mom. Nique ta mère. Ok. Très très bien. Donc c'est fuck your mom. On y va. On va rentrer le code, les gars. C'est pas moi qui le dis, les gars. C'est le jeu. Hein. Attention. Hein. N'employez pas ce langage grossier. Quelqu'un a versé de la lave devant ma porte. Non, ce n'est pas chaud, mais... Mon fils m'a dit que je finirais brûlée vive si j'essayais de la franchir.
Nick. Oh oui, il m'a dit que si je marchais dedans, ça me porterait malheur. On est bon. Peut-être nous qu'on voici devrait aller voir Oreta si les serveuses savent quelque chose. Ça ne suffira pas, le moustique. Il faut agir vite avant que les potes de la liberté nous prennent de court. $5 de récompense. Tu sais ce que ça pourrait représenter pour notre franchise de super-héros? Il a l'air vieux, ce chat. Peut-être qu'il est mort dans une gouttière, et c'est tout. Homme cerf-volant, dois-je te rappeler qu'à partir de maintenant, les potes de la liberté comptent 100 followers sur Instagram? On en a 6. Nous 5 et Billy Turner. Et il est roux, en plus. Il n'y a que comme ça qu'on pourra battre ces enfoirés. Mais où chercher? Ce chat pourrait être n'importe où. Il faut se séparer. Le moustique, envole-toi et va voir tous les parcs de la ville. Compris. Le moustique décolle. Homme cerf-volant, regarde si le chat n'est pas coincé dans un arbre. Super Craig, tu prends les conduites d'évacuation. Super Craig. C'est là qu'intervient ta vitesse surhumaine, Quickie. File au bureau du maire et dis-leur qu'on est sur le coup. Allons-y, Le coup et sa bande. On va s'arrêter là, les amis. On verra ça lors du prochain épisode. On va enregistrer la game. N'oubliez pas le j'aime et le petit commentaire si ce let's play vous plaît. Ça ne changera rien, bien évidemment, à votre vidéo quotidienne sur Evil Within 2 et encore moins à South Park. Ça me fait juste plus de boulot. Mais si ça peut vous régaler, ça me fait plaisir. Je vous fais énormément de bisous. Et je vous dis à demain pour la suite de nos aventures. Bisous tout le monde. Ciao, ciao.